C'est la course, c'est la course, c'est la course. Gamar Djaoba, Georgia. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de la Géorgie qui a décidé de garder son candidat de l'an dernier, Tornike Kipiani. L'an dernier, il devait chanter la chanson Take Me As I Am, ça donnait ça. Alors cette chanson est plutôt rock, donc c'est pas trop mon style de base, mais j'ai bien aimé, j'aime bien sa voix grave. J'avais trouvé ça super intelligent pour l'Eurovision d'avoir mis plusieurs langues, genre je t'aime, je t'ai buddy, I love you, etc. Donc ouais, c'était sympa. En revanche, dernièrement, j'ai cru comprendre qu'il avait une attitude un peu déplorable sur les réseaux sociaux. Alors je sais pas trop si c'est de la maladresse ou quoi, mais il a quand même dit que l'Eurovision c'était un shit show, donc bref. Mais bon, dans cette vidéo, on va parler que de musique, et donc je vais réagir à son tout nouveau titre pour 2021 qui s'intitule You. Je vais pas attendre plus longtemps, je vais lancer le clip, c'est parti. Let's go! What is happening? Oh, ça va être beaucoup plus calme que l'an dernier. Je pensais que ça serait du rock et tout, mais... Oh, des dauphins. Là, la batterie. Mais ça reste très soft, c'est très doux. Après, ça manque un peu d'originalité, je trouve. Genre, c'est mimes, hein, mais pour l'Eurovision, je sais pas. Sympa la petite chorale. Ça fait musique de fin de film, je trouve. Genre happy ending. Ah, je trouve que ce titre est pas mémorable du tout. Genre, c'est pas un mauvais titre, encore une fois, dans cette édition de l'Eurovision, il y a vraiment pas trop de mauvais titres, mais c'est vraiment pas mémorable, c'est pas original, enfin, c'est très classique, et ouais, enfin, quand je regarde ça, je suis sûr que dans 5 minutes, je me souviendrai pas de l'air ni rien, enfin... Après, c'est une musique très cute, une balade d'amour, en fait, une musique sur laquelle on peut danser des solos, par exemple, mais ouais, sur la scène de l'Eurovision, enfin, dans le cadre d'un concours, en tout cas, je pense que ça sera pas assez du tout, en fait. Genre clairement cette chanson n'ira pas en finale à moins qu'il y ait une grosse surprise dans le staging ou je sais pas, mais non ça m'étonnerait. C'est une musique qui fait un peu feel good movie, genre je sais pas comment dire, mais enfin vous voyez un peu à la fin des films un peu niais. Donc voilà c'est Mims, je déteste pas, mais ça arrivera quand même à la fin de mon classement. Donc voilà c'était mon avis sur la Géorgie, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit like, et bien sûr abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Il me reste plus qu'une chanson et un revamp à filmer donc ça va aller très vite, donc on se retrouve très très bientôt, et en attendant je fais plein de bisous. Ciao. Ça va aller, calme-toi.